FLJ présente. Bonjour à tous les amis, c'est FLJ. On se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing de crayons. Et ces crayons, on va les essayer bien sûr. On va les essayer sur plusieurs dessins. Déjà un dessin que je suis en train de faire là en ce moment. Et puis on va faire un petit croquis vite fait et on devra le colorier seulement avec ses feutres. Donc c'est parti, on fait directement l'ouverture. On se retrouve maintenant pour l'ouverture. Donc c'est bon, la caméra est posée. Directement on va ouvrir. Déjà, putain, si j'y arrive. Putain, à l'aide, j'arrive pas. Oh, ça s'est ouvert! Let's go! Let's go, ça s'est ouvert! Donc, on va. Ok, maintenant on va ouvrir. Alors déjà c'est plutôt bien présenté, un carton qui s'ouvre bien, en plus. J'ai galéré à ouvrir le carton. Non, je rigole, on va le ramasser, on le mettra à la poubelle plus tard. On referme la boîte. C'est fermé. Mais frérot, il s'est pas ouvert lui. Ils sont là. Voici les crayons. Et c'est parti, on va voir tout ça. Est-ce que vous êtes prêts? Magnifique. Wow, magnifique. Donc déjà, première impression, il y a une belle panel de couleurs. Par exemple, on a une belle palette de couleurs vertes. Parce que des verts, on en a plein. Des bleus, on a un petit peu de tout. Hein. Donc, du coup, ça se range. Comme ça, ça tout se met dans la boîte. Tout se met. Ah non, ça se met par petit. Ok, attendez. J'arrive pas à ouvrir une boîte de crayons. Catastrophique comme début de vidéo. Donc, on a le premier. On a le premier petit truc, petit rangement à crayon qu'on va mettre. On va mettre juste ici, je pense. Si on bouge la lampe peut-être. On va mettre ça là comme ça. Et le deuxième paquet, on va faire à peu près la même chose, on va le mettre à côté. Enfin, ça c'est, je vais voir juste après pour les installer. Ça, je vais peut-être le garder pour plus tard. Donc, par contre, chose à dire, je vais quand même utiliser les crayons Touche New pour les couleurs de peau. À moins que, au pire, je vais essayer le crayon couleur de peau de cet ensemble. Parce que, regardez, ça se ressemble plutôt bien. C'est exactement, c'est le même chiffre, même nom. Donc, je sais pas, on va voir. Je pense que, compte fait, je vais utiliser tous ces petits crayons.
Donc, on va ranger le. On dirait vidéo TikTok, là, genre t'arrives et tu. C'est un gâteau ou c'est du vrai? C'est un gâteau, c'est du vrai? Bah, c'est du vrai, regarde, hop, on arrive à le couper quand même. Bref, on va ranger le couteau et on commencera le petit dessin sur cette petite feuille. Donc, c'est parti, on se retrouve juste après pour le dessin. À plus! Dessiner ce dessin, j'ai déjà commencé avec les feutres, mais j'ai pas encore vraiment tout fait. Je vous laisse avec la suite, c'est parti. Build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over. Finir cette vidéo, on va mixer un petit peu le fond, et puis je vais pouvoir vous dire que il faut, si vous avez bien aimé le dessin, il faut s'abonner. Si vous voulez plus de vidéos dessin, il faut le dire en commentaire. Et puis, j'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer de vous dire un petit peu mon matériel. Bientôt une vidéo, mon setup. Donc, ce que j'ai utilisé pour mes feutres, alors, j'ai des touches Niao et des touches New et des Twin Markers. Donc, les touches New, c'est ça, là, comme ça. Et les Pro et les Twin Markers, c'est des petits crayons. Tu peux tous les trouver à Action. Je ferai plus de détails dans une vraie vidéo où je présente mon setup. Et ça, là, pour le fond, on appelle ça, c'est des sortes de craies, des craies à couleur pastel. Ça s'estompe bien et tout, c'est vraiment pas mal. Donc, on n'oublie pas
attendez. Juste en bas à droite, la petite signature. Donc le FLG. Putain. Ah, j'arrête. Avec le pastel, j'arrive pas à faire la signature. Voilà, bon, voilà, comme ça. Très bien, on ne voit pas vraiment, mais j'ai marqué FLG. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était FLG, à plus.